Yo les potes, la forme ou quoi? Aujourd'hui, incroyable. Vous voyez, là, c'est un Yamcha LR. Mais c'est pas ça le plus fou. Aujourd'hui, on va péter des records, les gars. Aujourd'hui, ça va être juste incroyable. On a eu le ZTUR Del Famoso Janemba. C'est n'importe quoi. Il est complètement craqué. Alors, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Même moi, quand je faisais les ZTUR fictifs avec Kawaii, d'ailleurs, si t'as pas vu, c'est sur le bouton I ici. C'était pas aussi pété, genre vraiment. J'aurais jamais osé faire un truc comme ça. Genre vraiment, j'y avais pensé, mais jamais j'aurais osé. C'est vraiment incroyable. Bon, bref, on va commencer. On va rentrer dans le vif du sujet. Voilà le ZTUR du Janemba Int. Il est juste fou. Pour le leader, on va avoir du ki plus 3 PV attaque et défense plus 90% pour le type Int. Donc, un leader qui est excellent. Ça comprend les supers et les extrêmes, du coup. Donc, le leader est viable. On va avoir dégâts immenses sur sa spé, donc quand il est spé 15, normal pour un ZTUR. Sur le passif, on va avoir attaque et défense plus 70%. Garde activée contre toutes les attaques, comme avant. Sauf que il a l'attaque et la défense qui change tout. Et lorsque la garde elle est activée, il va avoir 25% de chance d'esquiver, donc une chance sur 4. Et attaque plus 40% pendant 4 tours. Ça se stack pas, mais il va avoir 40% d'attaque. Et les 40% d'attaque, en fait, ils s'ajoutent à la fin du boost. Et en gros, les calculs dans Dokkan, voilà, il y a un ordre. Et en agissant à la fin, du coup, c'est considéré comme un boost de 68%. Apparemment, j'ai pas vérifié le calcul, mais je fais confiance. Et il enterre complètement le puits. N'oublie pas le petit pouce bleu. Il enterre complètement le puits, c'est n'importe quoi. Genre, tous ceux qui l'ont monté esquive comme moi, ils sont en sang. En plus, à l'époque, je me suis dit, hein, moi, je suis un mec, je fais des trucs de gogol, genre, des fois. Pour rigoler, j'aime bien taper fort, donc je mets le critique. Là, je me suis dit, vas-y, je vais pas faire le con, je vais mettre l'esquive. Il m'a servi à rien. Battle Road, il a rien esquivé. Voilà. C'était. Je suis grave dégoûté. On va devoir dépenser 30 DS pour remettre tout en ordre. Pour mettre du critique à la place et de l'attaque supplémentaire. Hein, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là? On va être obligé, les gars, on va être obligé. Vous vous rendez pas compte. Là, mais attendez, je vais vous montrer tout de suite. On va accéder aux fiches de Sephiroth. Donc, pour ce qui est du puits avant, donc je vous le remontre. Le leader c'était 120% pour les types extrêmes puits. Il avait des dégâts immenses et diminué la défense. Sur son passif, c'est un attaque plus 80%. Donc là où avec l'autre, on a attaque et défense plus 70%. Et en plus derrière, on a un boost de 68%. Donc ça monte jusqu'à 138%. Voilà, tu vois la différence entre les deux. Et il a SP 15 l'autre. Donc les dommages n'ont rien à voir. Hein. Je vous dis clairement, vous allez le voir juste après. En fait, il y a tout sur la fiche. Et celui-là, par contre, il a 30% de chance d'esquiver. Donc il a 5% de chance en plus. Mais clairement, ça, il l'enterre complètement. Voilà le Janemba. Donc grosse dédicace à Sephiroth. Merci pour la petite fiche qui est vraiment super. Hein. Là, c'était comment il était avant. Donc, on avait du 741 000 en attaque, du 62 000 en défense. Et il a un arbre de rang S comme tous les ZTUR. Et là, on va passer au ZTUR. Regardez comment c'est devenu n'importe quoi. 1 million presque 9 d'attaque, 97 000 de défense, 700 000. Donc, presque 98 000. Il peut monter jusqu'à 2 millions 6 d'attaque, donc avec les 40% en plus. Donc, 2 millions 6, hein. 2 millions 6 sur le display normal, 100 000 de défense, parfaitement normal. Et en plus, il a la garde activée tout le temps, parfaitement normal. C'est n'importe quoi, c'est complètement n'importe quoi. Alors là, le Janemba puits. Alors, le leader là, c'est Thalès, l'autre, c'est Superbou, mais ils ont exactement le même leader, c'est 150%. Il va avoir du 1 million 5, là où l'autre a 1 million 9 et peut monter jusqu'à 2 millions 6. Et 49 000 en défense, là où l'autre monte jusqu'à 98 000. Il est complètement out. Genre, il est vraiment. Il est en sang. Hein. Le Janemba puits est en sang. Tous ceux qui l'ont à 100%, vous êtes en sang. Genre, il le surpasse vraiment totalement. Genre, c'est comme Rosé Agi et Rosé Puits en fait. C'est exactement pareil. Genre, je vois pas de raison de le mettre à sa place. Même pour 5% d'esquive, ça vaut clairement pas le coup. Ça vaut clairement pas le coup parce que son boost de défense par rapport à l'autre, il a rien à voir. L'autre, il a 100 000 de défense. Et 100 000 de défense, ça peut être considéré comme un vrai tank quand même. 50 000 de défense. Pff, rien du tout. Hein. La flèche vers le bas, c'est pas mal. Ouais. Non, c'est très bien le fait que la garde soit activée. Mais on voit que sur l'SP, il se prend quand même du 40 000 le petit Janemba. Là où l'autre, je pense, il se prendra plutôt du 5 000. Hein.
Et ouais les gars, ouais, on s'y attendait pas, mais ils ont vraiment fait un truc de grand barjo. Donc le Twitter de Sephiroth, c'est là, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. On va avoir un Yamcha LR, mais on va repasser 2 minutes sur le petit Janemba, parce que on va revoir ses liens. Donc il a boss, vitesse époustouflante, donc très bon lien, les deux. Transformation excellente, un cruel cauchemar, peur et d'espoir pour un charné. Tous ces liens sont excellents. Genre, il n'y a aucun lien jeté, vraiment. Tous ces liens sont vraiment très bons. Au niveau des catégories, on va avoir transformation renforcée et boss de film. Deux très bonnes catégories. Alors, autant vous dire que moi, je le jouerai dans les deux catégories directes. Voilà, il n'y a même pas chercher dans transformation renforcée. Il a transformation, donc il va permettre de heal comme tous les bouts. Boss de film, vitesse époustouflante, ça va pas être dur de le proc. Cauchemar non plus, boss non plus. Cette unité, enfin, genre, meilleur tank du jeu. Meilleur tank du jeu ou pas meilleur tank du jeu? Je veux votre avis dans les commentaires. Je pense que pour moi, c'est clairement le meilleur tank du jeu. C'est clairement le meilleur tank du jeu. Si on prend la polyvalence en compte, si on prend pas la polyvalence en compte, je suis pas sûr. Mais si on prend la polyvalence en compte, c'est sûr à 100%. Quand je dis polyvalence, c'est le fait qu'il mette des dégâts de malade et qu'en même temps il tank en fait. Et qu'il esquive en plus. En tant que tank pur, peut-être, oui, il y a mieux. Le Golden Agi, il est mieux, c'est sûr. Mais en tant que polyvalence, c'est vraiment un monstre, hein, les gars. Il va tank tout le temps, il va esquiver. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec ce perso. Quand je vous dis qu'il est malade, c'est vraiment incroyable. Hein. La fiche, je vous la remets là. Il est passé de 740 000 à 2 millions 6 d'attaque max. C'est n'importe quoi, genre, et il n'y a même pas le critique qui est pris en compte, donc très heureux parce que c'est un perso qu'on a avec les DS rouges, et parce qu'il manque un doublon pour l'avoir à 100%, et donc moi j'ai tapé une petite danse après la vidéo. Ouais, donc on va passer sur le petit Yamcha LR. J'aimerais parler du Janemba toute la vidéo, mais on va quand même pas oublier. Donc voilà la petite carte de base, elle est jolie, hop, il va passer à cette forme là, et puis après on va avoir cette magnifique carte. Vraiment magnifique, hein. Là il n'y a rien à dire, le loup derrière la lune, enfin vraiment magnifique. De toute façon, les artworks dans Dokkan, ils ont toujours été très bons. Leur graphisme, c'est vraiment de la qualité, hein. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc coût 99, ce qui veut dire LR gratuit. Qui plus 3, PV attaque et défense plus 100% pour la catégorie combinaison. Qu'est-ce que c'est la catégorie combinaison? C'est la catégorie qui regroupe tous les persos qui ont deux personnages en fait dans leur carte. Enfin, plutôt les cartes qui ont deux personnages dedans. Donc, Beerus Whis LR, Bojack avec toute sa team, Tenshihan LR avec Chaozu, les Cyborg LR, Zama Black, les 100 000 Gaël Metal, donc couleur, celle aussi avec les Cell Junior. Enfin, une catégorie qui est complètement malade. Et première catégorie qui regroupe Végéto plus Gogeta LR. Alors, on va avoir un boost de 100% d'attaque. Donc, il faut mieux jouer les jeux dans la team super, hein, parce qu'ils ont 120%. Mais c'est quand même la première des catégories, on peut jouer dedans. Et ça, faut le souligner quand même. Alors, en termes de spé, il va avoir des dégâts gigantesques. Sur la première spé, sur la deuxième spé, il va avoir des dégâts titanesques. Diminue fortement la défense sur les deux. Sur le passif, on va avoir un attaque et défense plus 20 000 lors d'une attaque spéciale. Donc, ils nous ont habitués à ce que les LR gratuits aient un boost d'attaque en point fixe. Hein. Je pense pas que ça va changer. Même de défense d'ailleurs. Et on va avoir un attaque et défense plus 10 000 lors d'une attaque Uchi. Yamcha, si l'ennemi est étourdi, ça va... Attends, non. C'est si il y a un perso de la catégorie fille pleine de vie qui est sur le terrain, Yamcha, il aura 100% de chance de l'étourdir. Ah ouais, d'accord. What the fuck. S'il y a un perso de la catégorie fille pleine de vie sur... Le banc adverse, donc sur l'équipe adverse, il va être étourdi, vous n'allez pas pouvoir attaquer avec... Archi marrant, j'avais pas compris ça comme ça quand je l'avais vu la première fois. Ok, d'accord. Petit easter egg d'un Dokkan Battle, pourquoi pas, hein, écoutez, pourquoi pas. Après, est-ce qu'il est bon? Bon, déjà l'aptitude leader, elle est très bonne. Hein. Au niveau du passif 30 000 d'attaque et défense, c'est plutôt bon, hein. C'est plutôt bon, clairement. Après, c'est vrai que... Ça va pas être dans les top cogneurs du jeu, mais c'est respectable, très respectable. Pour l'aîné, on va avoir Fonceur qui est devenu vraiment pas mal duo de rivaux. Qui est, ça va, accessoirement, c'est un bon lien quand même. Il est un peu dur à proc, mais très bon lien. Style rapide, bon, ça c'est dégueulasse. Aventure incroyable, ça c'est avec les persos Dragon Ball. Conseil des boules de cristal, pareil, perso Dragon Ball. Brise à limiter, pouvoir légendaire. Donc voilà, plutôt une carte assez sympa. Les liens sont plutôt bons quand même pour une carte gratuite, je trouve. Au niveau des catégories, on va avoir combinaison et chercheur de Dragon Ball. Donc, très bonne carte.
Voilà, très bonne carte ce Yamcha. Très marrant qu'ils aient fait un Yamcha LR, hein, le petit troll de Yamcha LR, mais qui fait bien plaisir. Alors, seconde nouvelle, on va avoir le ZTUR du Gohan N et du Gohan Agi Ultime. Donc là, on n'en a pas eu un, on en a eu deux. C'est assez incroyable. Donc, sur les nerfs, on va avoir du clip plus 3 PV, attaque et défense plus 40% sur tous les types. C'est dommage, j'aurais bien aimé au moins le leader de Bad Time Breaker. Hein. De toute façon, de Bad Time Breaker n'est plus, il n'est pas une exclusivité de Canfest, il n'est plus joué. Donc ils auraient pu augmenter quand même le truc. Un peu dommage, mais bon, c'est jouable. Dégâts colossaux qui passent à dégâts colossaux. Donc il n'y a pas de dégâts immenses, mais normal. C'est pas le perso principal en fait du ZTUR. C'est normal qu'il ait gardé les mêmes. Mais le fait qu'il soit SP 15, il tapera largement plus fort. Merci au frérot qui s'est abonné en vidéo. Donc, on a un petit défense plus 120% si les PV sont au-dessus de 80%, ki plus 3 et attaque plus 100%. Oh là 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 là. Donc, de base, quand il apparaît, il a ki plus 3, attaque plus 100%. Et en plus de ça, défense plus 120% si PV au-dessus de 80%. Et en plus de ça, défense plus 40% si PV sont à 80%. Et un coup critique garanti. Donc en gros, quand vous passez sous la barre des 80%, il va quand même gagner un passif. Même s'il perd le boost de défense, il va avoir un défense plus 40% et un coup critique garanti. Ce qui est pas mal du tout, franchement, ce qui est très bon. Hein. Avec 100% d'attaque et coup critique garanti, c'est ouf. Donc le boost d'attaque passe de 3 à 6 tours sur l'aspect. Ça, c'est assez ouf. Sachant que on peut le stack maintenant 3 fois au lieu de 2 fois. Et il devient juste très bon. Il devient très bon. Alors, ce perso a vitesse époustouflante, donc en end, vous pouvez le proc, vous pouvez le proc. Au niveau délai, on va avoir Kamehameha, le pouvoir d'un dieu, la puissance suprême, combat acharné. Bon, au niveau délai, voilà, c'est bof, à part les liens de ki. Et au niveau des catégories, on va avoir donc la catégorie Saga de Boo et Saiyan 200 mêlée. Mais Saiyan 200 mêlée, ça va être le leader, donc on va pas pouvoir le jouer dedans. Excellent, tout simplement excellent, hein. C'est un perso qui était récupérable d'ailleurs avec les tickets. Et avec les. Enfin, les tickets. En fait, il était dans la liste des persos qui étaient récupérables. Avec les. Je sais plus ce que c'était, mais il nous avait donné des. On avait des trucs à farm pour choisir des persos parmi les. Je sais plus exactement ce que c'était. Mais bref, il était dedans. Donc, vous pouvez l'avoir gratuitement. Vous pouvez même mettre avec de doublons. Voilà. Franchement, très cool. On va avoir aussi le ZTUR du Gohan Agi. Donc. Pour le leader, on va avoir qui plus de PV, attaque et défense, plus 70% sur les types agis, c'est cool. Donc pareil, des dégâts colossaux, mais il va passer à rarement étourdir, à chance moyenne d'étourdir. Donc il passe de 1 chance sur 5 à 1 chance sur 3 presque, et ça c'est plutôt très très bon. Au niveau du passif, on va avoir la même chose, attaque plus 100%, si la jauge de ki est au-dessus de 6, si ça va pas être si il est au-dessus, non ça va pas être au début du tour en fait. C'est-à-dire si la jauge de ki est au-dessus de 6, au niveau de la défense, on va avoir la défense plus 120% si les PV sont au-dessus de 80%. Comme l'autre et la même chose que l'autre, donc défense plus 40% et coup critique garanti en dessous de 80% des PV. Moi je vous dis franchement, je pense en critique à 100% il lâche du 2 millions. Clean, genre vraiment, je pense qu'il lâche là. Bon, peut-être j'abuse, mais on verra bien. Je pense qu'il lâche au moins du 1 million. Je pense au moins il lâche du 1 million. Donc pour les nerfs, race Saiyan, l'origine des Saiyan, fonceur avec 10% le pouvoir d'un dieu, combat acharné. Je suis très content de cette carte parce qu'en agir, on manquait de perso et que j'avais monté sa spé et puis. Et puis j'aime beaucoup cette carte, donc je suis très content de son Dokkan. Donc pour les catégories, on n'a pareil que l'autre en fait. Donc ces deux unités deviennent vraiment incroyables. En plus, on manquait de stunner en agi. Là, on a une chance sur 3, en plus du fait qu'il tape très fort et qu'il tank. Franchement, j'ai rien à dire à part ils sont trop forts en fait. Franchement, hein, je vais me répéter, mais vraiment, c'est abusé. On va avoir aussi le petit éveil du Trunks. Donc c'est le Trunks de base qui était obtenable dans le Tenkaichi Budokai du coup. Il va avoir dégâts colossaux, attaque et défense plus 30% pendant 3 tours sur son attaque spé au niveau du leader qui plus de PV attaque plus 70% pour l'équipe in, c'est pas un leader jouable. Aptitude passif qui plus 3 attaque et défense plus 80%, très bon. Grande chance 50% d'attaque plus 50% supplémentaire et grande chance 50% de défense en plus. Sachant que vous pouvez activer les deux aussi. Donc il y a 50% pour chacun. Donc à savoir que vous avez 75% de chance qu'il y a une des deux compétences qui s'active et 25% qu'il y ait les deux qui s'activent normalement si je me trompe pas. Donc plutôt très bon. Plutôt excellent même hein. Franchement pour une unité gratuite. Franchement. Toutes ces unités sont malades en fait. C'est vraiment ouf. À voir si le deuxième passif s'active après. Auquel cas, c'est pas vraiment 50% mais c'est un peu plus.
Donc au niveau des liens, guerrier doré, message du futur Super Saiyan, ligne royale, guerrier Z, 1 versus 1, et briser la limite, donc le ki plus 3 pour compenser le fait qu'il n'est pas paré au combat. Au niveau des catégories, Saiyan 200 mêlées, saga du futur, puissance maximale, et au-delà de l'espace-temps, on va avoir pas mal de catégories. Très bonne unité, très content. Donc, on va se quitter sur la petite C18, donc, qui a un petit leader qui ne se joue pas trop. Bon, si ça joue quand même, ki plus 2, PV, attaque et défense, plus 60% pour le type Super Hit. Dégâts colossaux, défense plus 30% pendant 3 tours sur sa spé. Sur le passif, on a grande chance d'esquiver les attaques ennemies, 50%, donc une chance sur deux, ça c'est vraiment excellent. Attaque et défense, plus 60% pendant 3 tours, après avoir été attaqué, donc dans le cas où vous prendrez par malheur une attaque, elle va pouvoir tank plus ou moins, si vous l'avez monté. Donc on va avoir comme catégorie Cyborg, Saga de boue et Fille pleine de vie, donc il y a la catégorie Saga de boue dans, ce qui est notable. Je crois que c'est la seule qui a la catégorie Saga de boue comme c'est 18. Donc on a Cyborg, Déesse de la guerre, Intello, Jumeau, Vitesse époustouflante, qui est un très bon, et Énergie infinie. Donc une carte qui est très bonne. Bon, allez, bien en dessous des autres qu'on avait avant, mais elle reste quand même excellente. Voilà pour cette petite vidéo les frérots, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je suis vraiment hypé par cette nouvelle carte, c'est juste incroyable. N'hésite pas à bombarder les pouces bleus si t'as kiffé, à t'abonner et à activer les notifications pour savoir quand je suis en live ou quand je sors une vidéo. Le lien YouTube est toujours dispo dans la description si vous voulez me faire un don gratuitement pour financer les prochaines vidéos invocation. Ça me ferait grave plaisir. D'ailleurs, merci à tous ceux qui l'ont déjà fait, ça fait chaud au cœur. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Bye bye, portez-vous bien.